Alors pour information, vous êtes passé à la salle 3 et à la salle 2 et vous êtes à la salle 5 actuellement. Ok, on est au niveau 1, très bien. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne finira pas ce soir. Après, tout peut finir très vite si on fait des Oui. mauvais choix. Aussi. Ça dépend de vous. Ça dépend où vous allez, ça dépend si vous voulez tout visiter, évidemment, ça va être compliqué. Parce qu'il est énorme. Il y a énormément de choses à voir. Donc on est entré par où là en fait? Vous êtes rentré par le sud, à côté de la pièce 3, vous voyez? C'est Par ce le qu'il m'avait sud, il y a dit. une espèce de couloir. Alors, je peux pas pinguer hein, sur ces Non, maps. mais tu nous avais dit effectivement qu'il y avait Et il quatre y ou a ces cinq portes, portes. hein, ces portes qui suivent le long du bateau qui était fermé. Qui Vous sont des voyez réserves. bière, viande. Ce sont des réserves en fait. Et toujours pas âme qui vive. Je sais pas où nous devrions aller. Jason, toi qui as un bateau, tu dois bien avoir une idée de là où pourraient se trouver des survivants s'il en reste. Il a pas son bateau depuis très longtemps, puis il va le rendre sous peu, donc je sais pas si c'est la meilleure personne à qui tu devrais te renseigner à ce sujet-là. C'est pas tellement ça, mais bon, un yacht, ça n'a rien à voir avec un cargo. Là, normalement, sur ce cargo, on a bien vu la salle du réfectoire. Il devrait y avoir des dizaines de personnes. Moi, ce que je Voilà. propose, si je peux me permettre, c'est qu'on a regardé en bas et qu'apparemment c'est essentiellement des réserves et des bureaux. Et je pense qu'on a fait le tour globalement. Je pense qu'on devrait aller au niveau 2 où on est plus sur la partie cabine de l'équipage. Avec le salon de l'équipage et peut-être des choses qui nous intéresseront un peu plus. Et au niveau 3, on a la cabine des officiers. Oui, effectivement, moi je suis cet avis-là. On y va, mais on se lâche pas. Hein. On se sépare pas pour visiter d'autres salles entre-temps. Non, restons groupés. Très bonne idée. Je te MP, Lucie. Oula. C'est si soudain. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a fait le tour en bas. Hein. Bien, on a l'impression en lisant ce plan que ce qu'on n'a pas visité, ce sont des cabines. Après, s'il y avait des survivants, ils se seraient manifestés. Bah, les cabines de l'équipage sont aux autres niveaux. Au niveau d'au-dessus, donc.
Ah, je pensais qu'il y avait des cabines aussi où nous étions passés. Alors, c'est très certainement la vision et la neige, mais j'ai vu une silhouette très imposante qui se trouvait à 30 mètres du bateau par la fenêtre. Voyez que je n'ai pas inventé tout à l'heure. Il y a bien quelque chose dehors qui bouge. Et Oh, c'est quoi? Ça sort de probable. l'eau ou c'est dans l'air? C'était juste une silhouette très imposante. Je peux pas te. Qui, je suppose, était sur la glace. Donc. Ah, sur la glace du coup. Bah, vu que c'était à travers la fenêtre, donc c'était pas, entre guillemets, dans l'eau, je. Non mais je pense faisais Je pense qu'on référence. n'est pas tout seul. Voilà. Ok, Savoir ok. si cet homme va nous attaquer comme il a attaqué les membres de l'équipage. Il est C'est peut-être fort probable, dangereux. mais faut surtout pas qu'on sépare et dès que quelqu'un voit quelque chose de bizarre, n'hésitez surtout pas à en parler. Bah ça marche, je vous propose qu'on aille vers la passerelle vers le haut pour aller au niveau supérieur, au niveau 2. Allez, allons-y, ne restons pas ici. Alors, niveau 2, je vais prendre mon Là, on était portable. bien au niveau 1 et on va au niveau 2, c'est bien ça, hein. Très bien. Très bien. Donc vous arrivez aux marches hein, que vous voyez hein, sur le plan. Vous vous rapprochez, il y a deux marches hein, de chaque côté. Vous avez un accès aussi à l'extérieur, comme vous avez vu. Hein. Vous pouvez accéder par un escalier à l'extérieur, mais vous prenez l'intérieur, j'imagine, pour rester au chaud. Oui. Hop, niveau 2. Donc, vous commencez à gravir ces marches qui sont plongées dans le noir. Vous bravez cette obscurité oppressante afin d'atteindre le niveau 2 de la superstructure. Il y a des marques de sang sur les marches. Des ombres dansent autour de vous. Vos torches projettent des éclats incertains sur les murs, délabrés, ce qui crée une atmosphère de suspense croissant. Arrivé au niveau 2, vous êtes accueilli par des couloirs silencieux, des sentiers lugubres menant au quartier de l'équipage. Il y a plusieurs portes entrouvertes qui semblent vous inviter à explorer l'inconnu qui se cache derrière chacune d'elles. Dans cette obscurité étouffante, les portes semblent prendre vie. Elles se balancent de manière sinistre et se referment avec un fracas métallique qui résonne à travers les entrailles du navire, comme un avertissement funeste. Que faites-vous? Bien, en explorant la carte, je vois ce qui me saute aux yeux. Ce qui pourrait m'intéresser, c'est d'aller peut-être faire un saut en infirmerie, voir si je peux prendre certaines choses. Sur le Voulez-vous vous chemin. séparer? Non, non, on reste ensemble. Ah non, 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 hein. Je ne veux pas. Mais pourquoi tu veux aller à l'infirmerie? J'ai déjà une trousse de secours pleine. Bah, je sais pas, on aurait pu trouver des trucs intéressants et c'est sur le chemin pour aller vers le salon de l'équipage, donc je Mais pense que. que cherche-t-on au juste? Justement, on sait pas, on cherche âmes qui vivent et potentiellement des ressources pour survivre aussi, parce que ça sent pas très bon cette histoire. Peut-être que nous pourrions trouver des blessés à l'infirmerie, c'est une idée. Ça reste une très très bonne idée. Mais si on ne Allons-y. trouve rien de concluant à la pharmacie et dans la cage du pilote, est-ce qu'on pourrait vite repartir parce que j'ai pas un très très bon pressentiment avec la silhouette que j'ai pu voir? Je suis d'accord avec toi. Soyons courageux mais pas téméraires. Oui, bien dit. Après, le but, c'était, si on est venu ici, c'était quand même pour potentiellement retrouver et des survivants et redémarrer ce bateau pour le ramener et se faire un gros paquet d'argent. Alors oui, mais j'irai pas jusqu'à risquer ma vie pour le faire. Voilà. Donc tout ça parce que vous avez vu une potentielle silhouette dehors, vous avez déjà peur pour votre vie, vous voulez faire demi-tour? Et on a vu une main aussi. Alors, en plus des traces de sang dans le bateau et tout le repas qui sont laissés à l'abandon, et le bateau est vide, mais on sent que la vie est partie il n'y a pas très longtemps, je ne suis pas très rassurée de la chose. Mais bon. C'est sûr que c'est pas très rassurant, je te l'accorde, mais... Mais je ne suis pas peureuse pour autant, hein, t'en fais pas, mais c'est Mais Isaac, juste. excuse-moi, Oui. Isaac, tu as des soucis d'argent? Vraiment? Pas spécialement, mais plutôt opportuniste, donc
parce que je sais pour Jason et D'accord toi. avec Isaac, il faut. Oui, Bah vous écoute, voulez c'est vous une refaire opportunité. une santé financière. Oui. Je peux Pourquoi pas? vous, je suis d'accord pour vous aider, mais je vous préviens, si on croise ne serait-ce que l'ombre de cette chose, Quelle je m'enfuis en chose? courant. Cette chose que j'ai vue, cette ombre, Janice l'a vue aussi, donc je sais que je ne suis pas toujours clean, d'accord? Mais j'ai jamais vu un truc comme ça dans un trip. Tu as peur qu'on croise l'ombre du nombre? Tu peux Non, me... tout va aller bien, tout Tout va va bien se aller passer, restez bien. avec nous, restez près de nous, surtout ne vous écartez pas. Je sens que vous vous moquez, mais Non, on non, on se verra moque pas bien. du tout. Très bien. Je te suis alors, Jason, et je te rechoppe le bras, comme si on allait tout simplement se promener le long du pont. Bon, Vous je marche. marchez. Par Et du rapport au coup... bras qu'elle m'a attrapé, je change de côté pour que ce soit pas le bras qui tient le pistolet. Très bien. La Là, tactique. si tu veux me confier le pistolet occupé de la dame, je veux bien Je... aussi, hein. T'es bon jusqu'à quel point au revolver? Oh, Bah, mais comme je te t'as... disais, j'en ai fait en club du tir en salle. Mais bon, Bon, c'est. je sens qu'il doit être meilleur que moi. Je lui passe le pistolet. Ah, merci, Jason. Je ne te savais pas aussi influençable, Jélène. Tu me Non, mais devais bien, bon, Jason. voilà, je pense qu'il faut assurer. Et de ce fait, je propose qu'on aille vers la pharmacie, du coup. Enfin, vers l'infirmerie, pardon. Très bien. Allons-y. En allant vers l'infirmerie, vous voyez ces cabines de l'équipage hein, qui s'alignent dans l'ombre, hein, chacune semblable à la précédente. Hein, vous passez devant, les portes sont. Certaines sont ouvertes et elles portent des traces distinctes de vie autrefois présente. Vous voyez qu'il y a. Elles sont équipées plus ou moins toutes pareilles, un lit modeste contre le mur, un petit coffre témoin de modeste possession de leurs occupants hein, qui se trouve au pied du lit. Certains ont des vêtements suspendus çà et là dans la pièce, ainsi que des posters fanés, des calendriers érotiques. Qui sont accrochés au mur. Ok, je vais faire un jet de toc, voir si je trouve quelque chose d'intéressant dans cette pièce. Alors là, vous passez vraiment devant, hein, je vous dis, parce que les portes sont ouvertes. Hein. Ah ok, excuse. Donc, si vous voulez vous arrêter. Ah oui, c'était une autre salle, excuse-moi, j'avais vraiment pas compris, désolé. Non, non, vous C'était, je passiez pensais que vraiment c'était devant, mais. l'infirmerie que tu Non, non, décrivais, non. pardon. Là, Oh, vous. regarde, il y a même un poster de toi, Hélène. Ah oui. On voit que tu ne me connais pas assez bien, si tu penses que c'est moi. Et une des cabines, au moment où vous passez devant, est maculée de sang. Wow. De sang gelé. Chaque goutte figée dans le temps semble murmurer cette histoire de violence et de peur. Encore un rappel sinistre des horreurs qui ont hanté ce lieu autrefois paisible. Elle est inondée de sang. Mais le sang qui a éclaboussé partout, les éclaboussures sont gelées. Oui, il y a du sang gelé. C'est le fait qu'il soit gelé qui te choque. C'est horrible. Mais où est le corps? Comme si un corps avait explosé dans cette pièce. C'est pas joli à voir. Vous allez me faire un test de santé mentale. Ah! J'ai attendu un peu avant. Ouais, oui. J'aurais pu le faire déjà depuis un moment, mais bon. Là, c'est en train de ça. J'ai normal du coup toujours. Ouais, vous tapez sur santé mentale. Alors, santé mentale. Où elle est ma santé mentale? Donc, Pour réduire la pareil, hein, santé feuille. mentale, il Ouais. faut réduire la feuille, ouais. C'est un peu, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon. Allez, on lance un dé pour perdre de points là. J'arrive. J'attends que tout le monde Un fasse le des jet. vins! Des Ouh! 20, bah non, quand même. Donc on n'a qu'un échec pour l'instant. C'est moi l'échec. Non, c'est Non, non, moi. toi c'est Ah, réussi, hein, ok, deux pardon. étoiles, 22.
Je me sens pas bien, mais vraiment. Arrêtez de décrire à chaque fois le sang, le fait qu'il soit gelé, la main et tout ça. Vous êtes trop dans le détail, ça ne me va pas. Deux. Tu perds 2 points de santé mentale et tu peux jouer ce rôle-là hein, si tu le souhaites. Tu n'as pas encore de phobie. Hein. Il n'y est pas. Mais dans l'appel de Cthulhu, à partir du moment où vous arrivez à 5 pertes dans la journée, 5 points de perte, il peut arriver que vous pouvez avoir une folie passagère, si vous voulez, qui peut vous amener des manies et des phobies. Alors j'ai un tableau, hein, c'est assez cool sur Foundry, il y a un tableau avec tout se joue au dé, donc perdez des points de santé mentale, comme ça on va tester ce tableau assez rapidement, ce sera très cool. Donc il t'en manque 3. Ah là 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 Moi, là j'ai pas là. besoin de tableau, t'inquiète pas. Je vois ce sang, cette pièce inondée de sang avec Jason qui me dit, mais regarde, ce sang est gelé, c'est étrange. Je me révulse et je quitte cette pièce en courant dans le couloir. Je cours jusqu'à ce que quelque chose m'arrête. Pour l'instant, tu cours. Vous voyez Hélène partir en courant alors que vous êtes un peu dans cette pièce, hein, un peu estomaqué par ce qui arrive, et vous la voyez partir dans les couloirs et elle tourne, et au bout d'un moment, vous la voyez plus. Que faites-vous? Moi, j'essaie de la rattraper. Bah pareil, je sors de la pièce. Vous lui courez après. Oui. Très bien. Donc, Elle va se perdre sans ça. Dans l'état où elle est, elle va se perdre. Vous la rattrapez assez rapidement, vous la voyez terrorisée, elle est en train appuyer sur le mur, essayer de reprendre sa respiration. Elle a un trop-plein d'émotions et elle est toute tremblante. Et elle Je la semble. saisis par les deux bras et je lui dis calme-toi. On finit d'explorer le bateau et puis on repartira. T'inquiète pas. Mais Jason, regarde, mon cœur comme il bat vite. Je prends la main et je pose sur ma poitrine. Et du coup, je leur... Tout d'un coup, j'ai moins froid. Et du coup, je propose qu'on aille à l'infirmerie et peut-être comme ça, elle peut reprendre ses esprits tranquillement à l'infirmerie. Voilà, à condition qu'elle soit pas éclaboussée de sang. Au pire, je la porte à moitié sur mon épaule ou... Non, je Je peux l'ai pas dit marcher. tout haut, ça. Je l'ai pas dit tout haut. Je l'ai Je peux pensé tout bas. marcher, j'ai juste besoin d'un peu de sucre. Justement, je pense qu'on trouvera le nécessaire à l'infirmerie. Allons-y. Très bien. Alors, je vais MP Lucie. Parce que tu es resté toi là-bas. Non, mais je les suis un peu de loin. J'essaye de voir ce qui est un peu aux alentours. Ah oui, mais de loin. Un peu Tu es plus. bien. Bah, en fait, genre, tu sais, je suis un peu effarée par ce qui vient de se passer Oui. entre Non, ces il n'y a jours-là. pas. Non, elle est. C'est. Faut C'est. acheter MP. Ouais, t'inquiète, j'ai vu. C'est Hélène qui est émotive, c'est tout. Ouais, mais du coup. Vous vous rassemblez, vous arrivez proche de Ouais. l'infirmerie. Là, vous me voyez arriver un petit peu en trottinant. Et je vous pousse tous les trois à l'intérieur de l'infirmerie et je ferme la porte. Bon, l'infirmerie, elle est en ordre. Pas des masses, mais bon, la Je pierre. vais vous décrire. L'infirmerie est très mal éclairée. Hein. Il y a Ah non, c'est elle est juste pas ces en ordre. fenêtres. Hein. Elle n'est pas du tout en ordre. Hein. Il y a à l'entrée, il y a une sorte d'espace d'examen qui est là pour accueillir les patients. Il y a 2 lits médicaux alignés contre ces murs. Il y a une sorte des provisions soigneusement organisées, d'accessoires de premier secours qui occupent une partie de l'infirmerie avec des pansements, des antiseptiques et d'autres fournitures médicales essentielles comme pour des choses un peu que vous ne connaissez pas même peut-être, que vous n'avez jamais vu, des choses électroniques. Il y a tout un tas, ouais, des instruments médicaux vraiment destinés aux blessures graves hein, qui sont... Bah, soigneusement rangées pour la plupart au mur, et elles semblent prêtes à être utilisées en cas d'urgence.
Défibrillateur, tout ça? Il y a même aussi ouais, de l'équipement de réanimation, des nécessaires à intraveineuse, des désinfectants, des défibrillateurs qui attendent silencieusement leur prochaine utilisation, on va dire. Intéressant, mais bon, il y a toujours pas âme qui vive sur ce Non. refuge. Toujours personne. Toujours personne. Vous voyez qu'il y a pas mal de placards. Ok, je Mais m'en. je fouille un petit peu dans les placards, Ouais, je vais faire un entre jet autres pour de voir toc. si je trouve de l'alcool à 90. En faites-moi un jet de toc, tous si, ceux qui fouillent. Juste tout le monde, avant qu'on entre pile dans l'infirmerie, j'ai entendu un bruit de griffure qui parcourrait tout le long de la coque. Juste pour vous tenir au courant. Comment elle dit ça? Comment tu peux dire ça comme ça? C'est un chat? Un chat au beau milieu d'un océan gelé, d'un iceberg, Qu'est-ce que tu bah. veux que ce soit d'autre? Les poissons n'ont pas de griffes. Bah, oui, mais. Ouais, Puisque ça depuis faisait tout à penser l'heure, on comme suppose, une roche, mais quoi, comme si c'est ouais, tu vois, un oui. Ça doit être rocher qu'on. de l'iceberg qui frotte contre le bateau. C'était pas le bruit d'un iceberg, mais. Oh, tu connais le bruit d'un iceberg contre un bateau. Non, mais je suppose que c'est comme dans Titanic, c'est un bruit un peu sourd puisque ça fait vibrer la coque. Là, c'était bien distinct, tu sais, comme si t'as ton chat qui griffe un meuble, tu vois, c'est pas. Alors, honnêtement, la glace frotte contre le bateau, ça frotte, hein? Oui, mais ça frotte, mais comment dire, ça fait un peu résonner la coque, ou tu sais, c'est un bruit un peu sourd qui peut être assez gros. Là, c'était bien distinct, tu vois, c'était vraiment genre. C'était un petit élément qui griffait la paroi, quoi. Qu'on te dirait pas, je ne suis pas spécialiste de bruit Mais d'iceberg. voilà, donc entre la silhouette et la griffure, on fait ce que vous voulez avec mes informations. Alors du coup, j'ai une réussite, hein. Jason mais, Kern ouais. qui. MJ, j'ai un petit Oui. problème, je Oui, crois. dis-moi. Sur mes dés, ça m'a marqué 32 et j'ai 52. Pourtant, j'ai vu le 3. Hein. Ah Et ouais? j'ai pas bu d'alcool. En vrai. On refait un test pour voir? Ouais. 4... Non, c'est bon, c'est moi. Très Non, bien. mais je peux t'accrocher. Bah, c'est Je la suis drogue pas qui là, joue. voilà, je suis pas là pour vous. Ok. Y Je a me pas de demandais s'il n'y soucis. avait pas un problème de paramètres. Mais c'est juste que je suis mauvaise. C'est peut-être Et pas un problème tes de. deux points de perte de santé mentale qui agissent C'est ça, là-dessus. c'est ça. Des bruits de griffures. Je bug Oui. sur le bruit de griffures. Hein, Des bruits mais. de griffures. Il faut. Je me lève du lit où j'étais à moitié allongée et je ferme la porte, je la verrouille. Il va venir nous chercher, c'est l'ombre. Est-ce qu'il y a une des fenêtres au niveau de l'infirmerie ou pas? Oui, il y a deux fenêtres, hein, vous les voyez. Ok, je colle ma colle contre. Enfin, la WC. Je colle ma tête contre les fenêtres pour voir si je peux voir quelque chose de là où je suis. Tu vois le Delilah Ok. et la mer. Ok, je vois pas de silhouette à l'extérieur des lilas ou. Non, Non, tu ne ok. vois pas et tu ne vois personne à l'intérieur non plus. Ok. Non, je vois rien. Bon. Toi, Jason, tu remarques que dans un des placards, il y a deux lampes torches. Et vous remarquez aussi qu'une des vitrines murales a été fracturée et ses étagères sont désormais vides. Il y a certaines bouteilles qui ont été brisées et éparpillées sur le sol. En fouillant D'accord. un peu plus, tu vois que sur... Derrière les lampes, sur une étagère, il y a une fiole de morphine vide. Et à ses côtés, une seringue usagée porte les traces de son utilisation. Bon, quelqu'un prenait de la morphine. La personne qui a perdu tout simplement sa main. Vous faites des grands scénarios avec des monstres et des ombres, et en fait, c'est tout simplement peut-être un ouvrier qui s'est coupé la main dans un hachoir et qui a pris de la morphine pour s'anesthésier tout simplement. Oui, ton raisonnement se tient, mais la cabine maculée de sang. Ça, je ne saurais l'expliquer. Je vois trop le gars qui pissait le sang avec son bras en train de gigoter de partout dans tous les sens, tu sais.
Moi, Elles sont pas dans les murs. au cours de ma fouille, j'ai essayé de trouver des flacons de d'alcool à 90. Fais-moi un test de chance. Parce que j'avais, je t'ai dit que j'avais fait le... Oui. C'est ça que je cherchais surtout. C'est vrai que c'est ça que tu cherchais. Bon, allez, je te l'accorde. Tu trouves Je t'ai un dit avant flacon de, de. je t'ai Oui, dit avant de c'est faire vrai. le jet de Je m'en toc. rappelle, oui. Je te l'accorde. Tu Est-ce qu'il trouves y un a... flacon à moitié rempli. Est-ce qu'il Ok, y a donc je le un... prends et je le mets dans ma poche. Ah, je le bois. Non, non, je bois pas. Non, non, je vais pas boire ça maintenant. Donne-le-moi. Non, 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 non. excuse. Est-ce que je... Il y a un petit ordinateur... un ordinateur? J'en vois un sur l'image. Est-ce qu'il existe? Oh oui, c'est plus un moniteur. Mais Je peux essayer de l'allumer. non, il n'y a pas de courant. Hein. Depuis que vous êtes rentré dans la superstructure, même sur le bateau, vous n'avez vu aucune Ah ouais. lumière. Il n'y a pas de jus du tout. Hein. Dans tous Vous les éclairez instruments grâce à vos chez, torches. dans tous les instruments chirurgicaux, là, est-ce qu'il y a un truc qui pourrait servir d'arme? Alors, il y a des scalpels un peu plus gros. Et Peut-être, pas oui. des... Ouais, ou des... Est-ce que tu cherches quelque chose en particulier? Non, un gros scalpel ou un gros Tu couteau. vois une scie peut-être pour couper, Ouais, peut-être. ouais. Voilà, des, ou un gros, effectivement, un truc avec une pointe, enfin... bon, un gros scalpel, allez, je vais prendre le gros Ça scalpel. marche. Que faites-vous? Je n'ai pas du tout envie de sortir, mais en même temps, rester ici, ce n'est pas une bonne idée. Je ne sais Ouais, plus quoi faire. à tout hasard, je fouille dans les tiroirs pour voir. Je fouille encore dans les tiroirs pour voir si je trouve des allumettes. Moi, je ferais bien un test de crochetage pour voir si je peux essayer de tenter d'ouvrir la porte. Quelle porte? La porte est ouverte, hein. C'est de là où vous êtes rentré. De quelle porte? Je pense... L'infirmerie? Oui, je pensais Alors oui. qu'elle l'avait fermée derrière elle, mais Ah, elle a non. fermé. Non, Je mais l'ai elle a bar... fermé, elle est J'ai rentrée dedans, barré. elle a fermé, oui. Elle l'a Ok, bon, poncé, c'est tout. c'est un verrou, on va dire que c'est un verrou qu'elle a fermé. Ok. Bah, je propose qu'on sorte dans l'infirmerie. Il n'y a plus rien, plus grand-chose à faire. Je trouve pas d'allumettes. Par contre, moi, ce qui m'interpelle Fais-moi quand ton je test de retourne. chance maintenant, parce que ça, c'est. Là, je vais te faire le chaise de chance. Il est là le test de chance. Voilà, donc chance, chance. Maintenant, j'en ai bouffé Alors, plein. faut prendre la fiche et pareil que la santé mentale. Faut la rapetissir et tu accèdes au. Maintenant que je l'ai utilisé, ma chance, j'en ai moins. Eh oui, c'est ça. Et du coup, j'ai pas. Non, je trouve pas. Tu ne trouves pas d'allumettes. Faudrait que je retourne dans la cambuse. Par contre, Peut-être, moi, je rappelle. je pensais à quelque chose du fait que vous disiez qu'il n'y a pas d'électricité, mais par contre, sur le plan, je vois que. En 18, il y a l'électronique. Et en 6, il y a le boîtier du moteur. Est-ce que ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un œil, voir si on peut peut-être rétablir l'électricité à bord? Je pense que c'est la meilleure idée que tu aies eu, Isaac. Je pense que c'est pas mal. Peut-être que c'est la seule d'ailleurs que tu aies eue, mais c'est la meilleure. Merci. Boîtier du moteur. Alors, y a rien de personnel, c'est vraiment par rapport à vos backgrounds. Mais bien C'est ce sûr. qui se passe. Je Oui. le rappelle pour en Oui, fait tout le monde. carrément, non. Vu que vous n'avez pas trop l'habitude de jouer ensemble, voilà, Pardon. c'est important de. Aucun souci. Après. Ouais, du coup, je disais oui, en numéro 6 sur le plan, il y a boîtier du moteur, il y a surtout l'électronique sur le POI-18. Et Ouais, potentiellement, si on peut que je revois. rétablir l'électricité sur la map superstructure Je vois au pas tellement niveau ce que... 2, t'as des légendes. Je vois pas tellement ce que c'est le boîtier du moteur. Mais bon, imaginons, oui. En fait, ça désigne une salle, c'est la salle numéro 6, ce qui correspond au Mais boîtier du moteur. Et oui, je sais pas quoi, à ce que ça veut dire elle est à quoi. tous les niveaux, hein. Ça, Mais effectivement. effectivement. Ça, j'avais pas remarqué pour le coup, merci de le souligner. Mais aussi, en 18, il y a l'électronique. Je Parce pense que que ça peut être intéressant d'aller voir là-bas. le truc noir qu'il y a à côté des 6, là, c'est la cheminée, en fait. Alors, je ne sais pas s'il y a un boîtier du moteur à chaque coup.
à Non, non, t'as raison. chacune. Non, non, t'as raison, j'ai l'impression que comme tu le soulignes, c'est bien une cheminée qui transperce de bas en haut. Ouais. Mais si, s'il y a marqué boîtier du moteur, effectivement. Donc, mais je ne sais pas où il est le moteur. Je vois pas ce que c'est. C'est un boîtier qui Façon, on commanderait peut. le moteur. De toute façon, on peut aller checker, on est à l'étage, on n'est pas très loin, on regarde, on est juste à côté, on a juste un couloir qui nous sépare, c'est juste en face de nous. On peut peut-être passer voir comment ça se passe en salle numéro 6 et après finir en électronique en 18, voir s'il y a moyen de rétablir l'électricité ou autre. Parce que, à mon sens, Vous en pensez quoi, mesdames? je pense Alors, elle est où? qu'il faut redémarrer le moteur. Si on veut faire bouger cet énorme bateau, il faudra qu'on trouve un moyen de réactiver l'électrique, enfin tout ce qui est électronique. Ce n'est pas un navire si vétuste. Ça ne fonctionne pas au charbon, vous voyez. On est Enfin, bien j'imagine. d'accord. Donc, on a Faites-moi besoin d'électricité. un test d'intelligence. Yes. Qui? Tout le monde. Ah bah super. Mais c'est ouf. Intelligence et INT, c'est ça? Ouais. Alors attends, ça se trouve, j'ai fait une connerie tout à l'heure. Moi, je suis au top de l'intelligence. L'architecte, en plus, c'est l'architecte, ça tombe sur toi. Pour ce qui était Dis-moi. des points, on est d'accord que c'était dans tout ce qui était genre baratin, bibliothèque, charme et tout, là, ou c'était dans les Ah points de oui, c'était force ça. de... Ok, Oui, c'était d'accord, ok. baratin, tout ça, ouais, c'est ça. Ok. Donc du coup, je prends le plus bas et... Janice, waouh. Quel jet d'intelligence. Vous avez... Tu te rappelles que vous avez une autre map, la map cargo. Ok. Yes. C'est On vrai. a... Je vous Oui, il faut invite à garder la la map regarder. cargo, oui. Et toi, quand, en tant qu'architecte, tu conçois que tout ce qui est salle des moteurs, tout ce qui est ingénierie, tout ça, c'est pas au-dessus de la superstructure, mais en dessous. Tout à fait. Même si en vrai, j'ai zéro skill en architecture, Oui, mais bon, mais c'est ton métier. on va faire semblant. Tout à fait, effectivement, je peux constater que le moteur est au niveau 2. Donc j'informe ma team que le moteur est au niveau 2 et que ça serait potentiellement là qu'on pourrait le réactiver et de ce fait aussi réactiver potentiellement l'électricité. Ok, bah on y va, hein. En sachant qu'il reste quand même dans cette superstructure, il y a 3 étages que vous n'avez pas vus. Trois Oui. étages qu'on n'a pas vus, et quand même au niveau 2, ce qui avait quand même d'intéressant, c'est le salon de l'équipage aussi. Je pense qu'on devrait aller faire un petit saut avant de passer à l'étage supérieur. Je pense Moi, que vous en pensez. je suis Pardon. pour également essayer de trouver un moyen de réallumer, en tout cas d'avoir de la lumière, parce que cette ombre, Et moi, j'irais bien il en n'y a plus de 18 lune. pour... On a pris les deux lampes torches, hein, je Ouais. pense. Moi, Oui, j'en ai pas. mais Vous vous avez avez une une lampe lampe chacun, on voit chacun. moins bien avec les lampes torches et je serais plus rassurée si on voyait plus Oui, mais clair. sans les lampes torches, quand il va faire nuit, on va rien, plus rien voir du tout. Par contre, j'irais bien voir en 18 ce que c'est l'électronique par curiosité, vu qu'on est juste à côté pour le coup. Et après, on peut Oui, aller vers le salon c'est de ça. l'équipage. C'est ce Ouais, que bah du coup. je pense aussi. Vas-y, je te suis, Zach. Merci. Et ben du coup, on se dirige avec la dame en 18. Ok. Ça doit être une espèce de tableau électrique, le 18. Ouais, c'est fort possible. À tous les coups, ça n'a rien à voir avec ce qu'on cherche, mais bon, par curiosité, mieux vaut savoir ce qu'il y a là-bas. Vu qu'on n'est pas loin. Donc on n'est pas trop loin d'une porte de sortie, moi ça me va. Yes. Je suis pas rassurée du tout. Ça va être compliqué si on doit descendre dans la cale. Oui, je comprends. T'arrives, du coup, tu traverses un peu tous ces couloirs. Hein. Vous suivez tous, chacun votre Oui, tour. oui. Et tu vois que oui, il y a un panneau électrique, clairement, une espèce de petite pièce. Hein, tu commences à ouvrir et y a tout un tas de choses hein, qui se proposent à toi, des fils. Tu comprends pas trop. Hein, tu étais en train de regarder. Ça semble être assez compliqué. Compliqué. Il me faut me faire un test majeur d'électricité. Oula. Ou
science ingénierie. Électricité. Ou un test extrême en connaissance. Moi, j'ai passé le jet d'électricité. Moi, s'il a passé le jet d'électricité, on n'a pas forcément besoin de lancer. Ah, t'as passé le jet d'électricité. Ouais, parfait. Donc, tu commences à regarder. Hein, tu essaies de trouver un moyen de remettre le système. Tu vois que ça a été comme si quelqu'un s'était poussé dessus. Il y a des traces de sang. Tu remarques que quelqu'un s'est appuyé peut-être. Tu retires 2-3 fils et commence à remettre un peu ce système électrique en état de marche. Vous ressentez, il y a ces lumières qui commencent à clignoter tout autour de vous. Hein, l'éclairage se remet en route et à certains endroits ça clignote. Hein, il y a certaines ampoules qui ont du mal à tenir et d'autres endroits semblent rester dans l'obscurité. Hein, tu vois que des ampoules ont été cassées et tu ziotes un peu de autour du navire. Hein, il y a, pour la majeure partie, on dirait que le courant a été remis en route. Bon, bah c'est cool. Même si c'est pas partout, au moins, il y a certains endroits qui seront éclairés. C'est déjà bien. Ça va rassurer les filles. Il devait y avoir des accumulateurs, effectivement. Vous aussi, vous êtes rassurés. Un peu plus, mais bon. Disons que ça sera plus pratique pour explorer le bateau, quoi. C'est clair. Eh bien, allons voir si nous trouvons quelque chose d'intéressant dans le salon de l'équipage. Peut-être que nous allons réussir à trouver quelqu'un. Excellente idée, je te suis. On va jusqu'au salon de l'équipage. Ok, salon de l'équipage. Je ferme toujours la marche. Ok, tu restes derrière. Janice, tu n'entends plus rien. Plus de bruit de griffes. Pour le moment, j'ai rien entendu de nouveau. Alléluia. Vous ouvrez la porte de ce salon de l'équipage et où ces lumières sont allumées maintenant. Il est meublé de fauteuils confortables, mais modestes, tachés. Et les marins semblaient se détendre ici pour la plupart. Après une dure journée de travail, il n'y a personne. Il y a des tables basses qui parsèment la pièce, prêtes à accueillir verres et collations. Du bateau. En face de vous, il y a ce bar qui se dresse comme un havre de réconfort dans le chaos de la mer. Il y a aussi une sorte de grand volet métallique avec une sorte de gros cadenas, une serrure. Elle semble verrouillée. Est-ce que je peux tenter un test de crochetage? Bien sûr. C'est parti. Alors, tu commences à t'y prendre avec... Alors, je ne sais pas avec quoi tu crochettes, du coup. Peut-être un ustensile pour faire des cocktails, on va dire. Tu essaies de t'y prendre, tu vois, la chose se casse. T'as du mal à ouvrir. Ok, je pense que je vais dépenser 11 points de chance pour réussir. Très bien, tu... Sinon, moi, je pourrais essayer aussi, peut-être, mais bon. Non, mais c'est bon. Du coup, tu t'y remets, tu reprends un autre truc un peu plus solide et t'arrives à... Tu entends le cliquetis de cette serrure qui cède. Le cadenas s'ouvre. Et en le tirant, tu vois qu'il y a tout un tas de bouteilles d'alcool qui semblaient être protégées à toute tentative de pillage. Bon. Il n'y a que de l'alcool. Il n'y a que de l'alcool. C'est encore une réserve. Tu vois également un pied de biche qui est caché sur le côté du placard. Est-ce qu'une des filles veut prendre le pied de biche pour se rassurer au cas où quelque chose se passe? Moi, je suis chaud. Allez, tu peux le prendre, du coup. Est-ce qu'on... Janice, si tu prends le pied de biche, je sais que mon coffre est... Enfin, le coffre que j'ai trouvé est tout petit, mais on pourrait peut-être essayer de faire un levier pour ouvrir le... C'est vraiment une très bonne idée. C'est une très bonne idée, j'avais complètement oublié ce coffre. Le crocheter, c'est difficile, mais... Attends, je le tiens, je le pose sur le bar... Enfin, à hauteur de où ça va bien. Mmh.
pour aider Janice à l'ouvrir. Oh, je vais pas vous laisser un test, hein, ça se fait automatiquement. En prenant le Par temps. Hein. Ok, je prends bien appui sur la boîte, je fais levier avec le pied de biche et je pousse d'un coup sec. Ok, très bien. Du coup, dedans, tu trouves des couronnes danoises. Il y en a environ 7000. Il y a des documents du navire, hein, des documents du navire, de toute la. Vous retrouvez les plans, mais vous retrouvez aussi les papiers avec le nom du propriétaire, l'agence pour qui elle semble être destinée. Hein, pourquoi il semble être là pour livrer des légumes et de la nourriture, de la viande apparemment, d'après ce que vous disiez. Et il y a quelques informations relatives à l'assurance également. Et il y a un document dont le capitaine vous avait parlé avant que vous vous engagiez. C'est ce droit, hein, de. Comment on l'appelle déjà? C'est cette obligation de secourir des voilà, animaux. C'est ça, exactement. Donc, c'est la Convention de Genève, hein, sur la haute mer. Hein, donc, ça a été signé en 1958. Elle comprend l'article 98 qui vous intéresse ici et prévoit le devoir de porter assistance. Il exige du capitaine d'un navire battant son pavillon que pour autant que cela lui est possible, sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers, il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer. Il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s'il est informé qu'elles ont besoin d'assistance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il agisse de la sorte. En cas d'abordage, il prête assistance à l'autre navire, à son équipage et à ses passagers. Ok, c'est plus clair. Et donc dans ces papiers, ça nous redit le point de départ et le point d'arrivée. C'est ça le C'est trajet. ça. Le trajet, c'était... Ils sont partis de Bergen pour se rendre au Groenland. D'accord, donc ils vont dans le sens opposé de notre De ce que tu navire. pensais, oui. Ah oui, d'accord. Et a priori, ils sont passés par l'Islande, les îles Ils Féroé, l'Islande, sont c'est ça? passés par Reykjavik pour sûrement une livraison pour Ok. l'Islande, ouais. Et nous, on s'est croisés entre le Canada et le Groenland. Non, c'est entre le Groenland et... Alors, il y est sur la map, hein, je sais pas si tu as vu. Sur map structure. Vous avez un petit plan tout en haut. Oui, d'accord. Mais c'est Donc tu juste vois. que nous, on est situé où? On est au Alors, le Groenland? Groenland Tropisch, il est marqué, hein, c'est un petit Ok. triangle. Tu vois, il y a marqué le Groenland Tropisch. C'est là où on se trouve C'est actuellement. là où vous vous trouvez, ouais. Donc vous êtes entre le Groenland et l'Islande. Ok. Ça fait rêver. Ouais, c'est pas les Antilles. Bon, 7000 couronnes, je peux vous les donner. Après, je crois que ça fait l'équivalent de 50 dollars. J'en sais rien. Regarde-les pour le moment. C'est toi qui as trouvé la Si, boîte. c'est moi qui devrais savoir combien ça fait, effectivement, Ouais, les couronnes. disons que ça fait environ 1000 dollars. Ah, quand même. Ah, je les garde. Non, non, je les mets dans mon sac et puis au moins on aura trouvé ça. Oui. Bon, moi, j'en profite qu'on est dans cette pièce. Oui. Dans le salon de l'équipage, j'ai vu que sur les plans, j'ai vu qu'il y avait effectivement aussi une trousse de premier secours que j'ai pas cherchée dans l'infirmerie parce que l'infirmerie était trop en désordre. Donc j'essaie de prendre la trousse de premier secours. Tu cherches et tu ne la trouves pas. Ah, je la trouve pas. Non, elle n'y est Merde. plus. Il y a le package, si je peux dire, l'endroit L'emplacement? où elle était, l'emplacement, mais par Merde. contre, il y a plus de. Elle semble avoir été prise. Je vais jeter un œil au bar. Bon, certes, je vais choisir une ou deux bonnes bouteilles, mais également pour faire des petits cocktails, des fois les barmen, ils ont des petits chalumeaux, tu vois, pour flamber les alcools et leur donner un petit goût sympathique. Je On fait cherche ce arrêter genre d'objet. 52. Moi, j'ai de chance.
Je sais exactement où ça se trouve. Tu sais Nice. exactement où ça se trouve. On dirait que tu as une habitude de traîner dans les bars. Ouais, il faut croire. Je vais le prendre et je vais également prendre, on va dire, deux bouteilles parce qu'après ça va faire lourd. De Très bien. l'alcool fort, de l'alcool à 50, de la Ok. vodka, du rhum, ce que je trouve de plus Très pratique. bien. Vous voyez Hélène qui prend des bouteilles, qu'elle glisse dans son sac. Hein. Ça Vous compte, vous ça remémorez compte. un peu sa façon de faire la fête et vous vous demandez si c'est vraiment le moment. Moi, je pense qu'elle veut compléter mon idée de prendre de l'alcool à 90. Moi, je suis pour tout brûler si ça commence à partir pas dans notre Moi, sens. j'ai cherché des allumettes, mais bon, j'avoue que le petit chalumeau, c'est bien. Mais on a besoin d'une allumette pour l'allumer. Hein. Ah, d'accord, j'ai pas Ça marche trouvé pas avec une pierre le. à briquet? Tu trouves une boîte d'allumettes sur le bar. Ah, ok. C'est pas le petit briquet, quoi. C'est Non. boîte d'allumettes. Bonne idée. De toute Bon, façon, il nous reste enchaînement. des bouteilles d'alcool au cas où on pourra tout faire voler. Après, il va falloir pas mal des bouteilles d'alcool pour brûler un cargo quand même. Oui, ou faire peur à quelqu'un ou quelque chose, tu sais, genre, tu balances juste un peu d'alcool avec lui. Une main. pas tellement le cargo, je voulais brûler. Un Ce homme sans main serait dur qui de se brûler ce balade. cargo Un qui homme sans main? Qui se balade. Ça serait dur de brûler ce Il cherche cargo sa main. qui a une valeur. Et oui, pensez aussi à la récompense si vous arrivez à le ramener. Si on fait cramer le cargo, on aura l'air faim. Oh, mais il n'est pas question de mettre le feu pour l'instant. Je me dis juste peut-être que dans la cale, ce sera gelé. On sera bien content de pouvoir enlever de la glace. Vous voyez? On ne sait jamais. Et puis au pire, si on n'en a pas besoin, on pourra toujours le boire. Oui, t'as justement de la glace à disposition. Pas besoin de faire des glaçons. Magnifique. Ah, je me sens un peu mieux. J'ai l'impression que tout ça était un cauchemar et que bientôt on va pouvoir trouver un moyen de faire redémarrer ce cargo et puis quitter cet endroit. À le faire redémarrer, ça j'en suis moins certain, mais bon. Ah, le faire de redémarrer pour le dessaisir de la glace uniquement, pas Oui, éventuellement. ça c'est, on verra. Que faites-vous? Je propose qu'avant de quitter le niveau 2, on aille jeter un œil côté 14 et 15 qui correspondent à la cabine du cuisinier et à la cabine du maître d'équipage. On peut trouver des choses intéressantes là-bas. Ok, allons-y. C'est juste en face. 14 et 15, 14 et 15, 14 et 15. Je comprends pourquoi je trouve Ça pas. n'existe pas? Il n'y a aucune information dessus. Bah, il n'y a peut-être pas d'informations à donner. Peut-être Après, c'est que. juste une cabine, hein. Cabine de l'équipage. Ah si, cabine de l'équipage. Elles abritent chacune un lit, petit coffre pour ranger des biens préoccupants, des Ça se vêtements, trouve quelques touches de. personnelles comme des posters. En fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est les mêmes cabines, hein. C'est pareil. Ok, Il d'accord. n'y a rien de, y a rien de plus. C'est pour ça que je pouvais chercher. En fait, je vous l'ai lu tout à l'heure. Bah, je vous propose qu'on aille au niveau 3 du coup. Est-ce que vous voulez voir ce que c'est que cette zone. Comment ça s'appelle? Est-ce que boîtier du moteur, est-ce que ça vous avez l'air intrigué par cette zone? Ouais, ça se Ouais, trouve, on non. pourrait aller voir ce qui se passe là-bas. Et ça se trouve, même si on voit rien, on verra peut-être à l'étage supérieur. Mais oui, très bonne idée. On peut. De toute façon, c'est très. À ce niveau-là, tout est proche, donc allons-y. Et puis ensuite, vous voulez chercher des survivants à quel endroit? Bah, au niveau 3. Au niveau 3, oui, c'est le salon des officiers. Oui. D'accord, faisons comme ça. Alors, le boîtier du moteur, hein, comme je vous l'ai dit, il est sur les Tous les quatre étages? niveaux. Voilà, quand vous vous penchez, hein, vous voyez que ça mène plus ou moins dans les cales du bateau. Alors, c'est une sorte de cheminée? C'est la cheminée, oui, une C'est sorte un conduit, de quoi. conduit, ouais. Ok. D'accord. Est-ce que ça fait du bruit? Non. Il n'y a pas de bruit de moteur, il n'y a pas de bruit mécanique. Hein. Clairement pas. Eh bien, montons au niveau 3.
Alors, j'en profite pour essayer cette fois-ci de récupérer une trousse de premier secours. Donc à chaque fois que tu passes devant, tu en trouves aux escaliers, clairement. À chaque fois, elle est neuve. Hein. Vous commencez à être chargé, hein. Vous avez quand même des bouteilles, vous avez pris pas mal de trucs, mais il vous reste quand même de la place. Hein. Donc vous... bah sinon, je descends vite fait à la buanderie au 16, et puis j'attrape un sac, un grand sac, et okay. Puis j'ai qu'à mettre dedans, je les mets dans le sac. Très bien. Tu descends tout seul? Oui. Niveau 3, on vient juste de monter l'escalier. Je le redescends vite fait pour aller en 16 à la buanderie pour récupérer un sac. Et je remonte. Voilà. Tu prends ton sac et tu remontes. Tu ne vois rien. Tu remets ce sac, cette trousse dans ce sac, tu fais le plein. Voilà, et puis je... Voilà. Si j'ai des trucs à trimballer, maintenant je les mettrai là-dedans. Où allez-vous? Bah, je propose qu'on aille au salon des officiers. Oui. Il doit être un petit peu plus cosy que le salon de l'équipage. Le but est bien de trouver des gens à qui parler. Afin de leur administrer les premiers soins. Et même des gens en état de parler. Tout à fait. Vous remarquez que les cabines sont défoncées. Délabré, il y a des papiers partout. Ça a été saccagé. Ça a été saccagé. C'est impressionnant. Je me demande ce qui s'est passé ici. Je commence aussi... un peu à fouiller. Il y a aussi du sang. Quand vous les faites une par une, vous voyez qu'elles sont toutes semblables hein, dans leur disposition, un peu comme celles du niveau inférieur. Hein. Un peu plus grande. Il y a un peu plus d'espace et de confort, on va dire, et... Mais le contraste avec les quartiers du reste de l'équipage est évident. Hein. Ça reflète un peu le statut privilégié de ceux qui y résidaient. Mais il y a quand même ces stigmates, hein, de cette violence qui semble avoir ravagé le Groenland tropiche. Je vois qu'une des portes des cabines a été arrachée de ses gonds. Et elle bloque en partie le couloir. On voit des traces de griffes? Non. Ces hommes sont devenus fous. Est-ce qu'ils méritent qu'on les sauve? Bonne question. Pas pareil, s'il y a des papiers, c'est de... Regardez sur le bureau si je trouve des notes intéressantes, hein, une sorte de rapport de mission pour ouais, essayer de vous comprendre ce qui s'est fouillez, passé. Vous fouillez. Alors je vous demande pas de G, mais vous ne trouvez rien du tout dans ces cabines des officiers. Il n'y a rien qui vous est utile de ce que vous ne savez déjà. Ok, pour le coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres choses vraiment. Tu vois qu'il y a quelque chose qui brille dans le mur. Attends, dans quel mur? Ça semble provenir de la cloison à l'extérieur d'une des chambres, d'une des cabines des officiers. Eh ben, je vais voir. Tu je me rapproche de la lumière. C'est un morceau de verre cylindrique qui est dans le mur. Okay. Il semble avoir été cassé. Okay. Un morceau de verre. Tu vois l'extrémité de ce morceau de verre. Tu ne vois pas tout le morceau. Et où le reste, il est enfoncé dans le mur? Ouais. Mais ça peut être quoi ce morceau de verre là? Je comprends pas. On dirait du cristal. Bizarre. Ça vous parle, vous? C'est un truc régulier ou c'est un truc... Vous voyez juste l'extrémité du bout qui semble avoir été cassé, comme un tube de cristal, si vous voulez. Et le reste est enfoncé dans le mur. Qu'est-ce que tu peux essayer de retirer ce morceau étrange du mur avec ton pied de biche? Que faites-vous?
Oui, c'est une bonne idée de le faire avec le pied de biche. Après, est-ce que Est-ce ça a un intérêt de le que retirer aussi? j'essaie de l'effleurer un petit peu, ce truc est glacé? Et en le touchant, tu sens tes doigts qui commencent à rester collés dessus. Tu sens ce froid intense. C'est pour ça que je Tes disais que je doigts fais. sont collés dessus. C'est pour ça que je dis que je l'effleure, hein. C'est, je me Ouais. doutais que. Mais tu sens vraiment de suite, c'est attiré. Tu retires, hein. Tu Je sens retire ce froid et tu exactement. regardes tes doigts qui deviennent déjà violets. Au niveau juste du bout des doigts. Ça va, tu sens encore tes doigts? Oui, mais c'est extrêmement froid ce truc. Je vous conseille de pas y toucher. Plus froid que le reste. Ok. Et je vous conseille de pas y Et toucher. ok. purée, tes doigts sont déjà violets. Essaye de les mettre dans tes poches ou Oui, pour chauffer. j'essaie de me réchauffer. Je les mets dans mes vêtements, effectivement. Je prends mon tournevis et je donne des petits coups dessus. Tu donnes. Comme ça, tu fais comme des petits pics, tu vois qu'il y a des petits morceaux qui s'effritent. Mais ça a l'air très solide quand même. Ouais, si je marche dessus en essayant d'écraser avec ma chaussure, ça fait rien. Alors il est vraiment dans alors les petits bouts en fait. Ouais, les petits bouts. Ouais, t'écrases, non, ça a pas l'air de trop bouger. C'est très solide quoi. C'est transparent, c'est bleu. C'est un bleu glacé, un bleu ciel glacial un peu. C'est comme de la glace et comme du diamant à la fois. C'est super bizarre. Et si tu le prends avec un tissu, ça te fait froid les deux. Enfin, est-ce que tes doigts deviennent froids ou pas? Je pense que ça va coller le tissu, mais on peut essayer. Ou je prends un truc de Oh, un papier bout de ou papier, ouais. j'arrache un truc de tissu sur un Très fauteuil bien, pour. tu fouilles, tu essaies de te mettre et il me faut un test de force majeur pour le retirer. Ah, j'avais pas l'intention de le retirer, je voulais juste voir ce Ah. que ça faisait en poussant, enfin en posant des choses dessus. Ah, je sais pas, tu voulais faire quoi? Prendre les gants et poser juste les gants dessus? Ouais, voir si ça D'accord. colle. Tu le tiens et oui, tu sens que ça s'accroche un peu comme le froid que tu peux avoir Ouais. quand tu touches quelque chose de froid mais tu sens pas même à travers le gant, tu sens ce froid hein, sur ta main. Bon, ça m'a l'air dangereux. Je pense pas qu'on en fera quelque chose d'intéressant. Après, peut-être que ça a de la valeur, mais. Je sais pas trop quoi en faire. Moi, je propose qu'on ne s'attarde pas dessus si vous n'avez pas d'idée spécifique. Moi, j'en ai peut-être une, la petite boîte où il y avait les sous dedans, tu l'as toujours sur toi? Oui, Tu vous veux l'avez. Hein. enlever le morceau et le mettre dans le coffre? Ouais, peut-être pour le transporter, ce sera peut-être moins embêtant. Eh bien, si tu veux essayer, mais ça m'a l'air bien accroché. Ok, non mais Mais vas-y, essaye. c'est pas grave. Alors, pour le retirer, il me faut un jet de force majeure. Vous n'avez pas vu le bout, vous savez pas de quelle taille il fait, en fait. Ouais, bah je vais essayer de l'enlever alors du coup. Très bien. Ok. Juste au cas où, le jet de. Est-ce que tu Tu peux me commences à l'afficher? forcer et en fait, en serrant, tu sens ce froid hein, qui agit un peu sur ta main. Et au bout d'un moment, tu t'es obligé de lâcher. Ça a bougé un peu. T'as senti un peu la chose bouger, mais en regardant, ça a l'air vraiment assez long en fait. Ça a l'air de faire plus d'un mètre. Waouh! Traverser le bateau de part en part, enfin de toute la coque. Le mur, hein. Le Et mur, pardon, ça a l'air planté en diagonale en fait. ce bateau s'est fait attaquer par cette chose. Peut-être pour ça que les gens ont fui. Je me demande bien ce que ça peut être. Je regarde par la fenêtre, s'il y en a une. Enfin oui, j'imagine. Parce que je vois quelque chose. Je vais te MP. Ok. Bien fait de demander. Je m'approche de la fenêtre pour essayer de déceler enfin, si je vois la forme de cette chose toute froide. Et là, d'un coup, je vois cette ombre. Elle est beaucoup plus distincte que ce que j'ai pu voir il y a quelques minutes, voire quelques heures.
Je ne saurais pas dire si c'est un homme, mais en tout cas, c'est un très grand homme qui vient de plonger dans l'eau. Je crois que j'ai vu un marin. Il y a quelqu'un qui vient de sauter dans l'eau. Il était sur la glace et il a plongé. Un homme de très grande taille, sûrement un de ces Norvégiens. Ils sont tous grands. Comment ça, d'une très grande taille, tu peux développer? Au plus de 2 mètres. Plus de 2 mètres. Mais j'ai pas vu ses habits. Je suis pas sûre que c'était un marin. C'était très rapide. Bizarre. Il n'y a que vous qui voyez ces choses depuis tout à l'heure. J'ai rien vu. Mais je vous assure que je ne vous mens pas. Et puis, de toute façon, ce que j'ai pris ne fait plus effet. T'inquiète pas, avec moi, t'as pas besoin de te justifier, je te crois 100%. Si. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Bon, bah Fais-moi un restez test près de de nous santé mentale quand et même. restons vigilants. Putain. T'en rates pas une. Mais oui. Ah, je T'es vais un arriver au sadique 5, hein. pour Je vais rien. arriver au 5. C'est marrant, sinon. Bah oui. Et toujours jeu normal, hein. On change pas. Tu perds quand même un point. Non, il y a juste elle, hein, qui le fait par contre. Ah, pardon, my bad. Il y a Oh, bah juste elle merde. qui a vu, mais tu perds quand même un point par rapport à ce que tu viens de voir. Je me mets un peu en boule dans le coin de la pièce, en répétant ça. Pas folle. Un truc. Que faites-vous? Je me rapproche un peu d'elle pour essayer de la réconforter un petit peu déjà. Et puis je propose qu'on poursuive. J'essaie de la lever gentiment pour la réconforter. Et puis je propose qu'on sorte de la pièce et qu'on aille explorer le reste. Elle est toute tremblotante, mais c'est pas le froid. Hein. Elle est clairement. Elle commence à. Ouais, elle est. Elle est terrorisée. Ouais, bah je prends son bras, je le mets sur mon épaule et puis je la fais avancer gentiment. Et je propose qu'on aille au niveau 4, si vous êtes d'accord, bien sûr. Hélène ne dit plus rien. Elle regarde droit devant elle. On va y aller doucement, ok les gars? Je la prends un peu dans mes bras pour essayer de la guider vers là où on va aller. Pas de souci, on peut la prendre à deux, un bras sur chaque épaule, et puis on avance à trois, gentiment, vers le niveau supérieur. Et en vous dirigeant vers les escaliers, vous voyez qu'il y a une autre buanderie qui est ouverte. Ok. Et tu vois du sang Jason, ça te dérange entre d'aller l'ouverture. Moi, je vais voir. Jason, ouais, comme ça Je on s'occupe de jette un œil d'Hélène. dans la buanderie des officiers. Et dès ton entrée dans cette buanderie, tu tombes sur un cadavre déchiré et partiellement dévoré. Il manque un membre, si tu veux. Il a des grosses marques de mâchoire, hein, qui vous font penser à cette main que vous avez trouvée. La scène est monstrueuse. Il n'y a que le froid qui permet de ne pas répandre trop d'odeur. Tu me fais un test de santé mentale. Une perte de 1 point si c'est réussi. Et tu perds un des 4 si c'est loupé. Bon, allons-y pour santé Donc vous n'êtes mentale. pas rentrés tous ensemble. Ah bah. Non, moi je reste devant la porte. Bon, c'est réussi, donc je perds un point. Tu perds un point. Tu vois qu'à sa main, il tient un pistolet d'alarme. Vous entendez? Ça a coupé? Non, 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 j'entends. Pistolet d'alarme. Quand tu dis pistolet d'alarme, c'est un pistolet qui fait. Un pistolet lance-fusée, si tu veux. Ouais, c'est comme celui que j'ai récupéré pour le fusil, enfin le truc Exactement. d'urgence là. Un pistolet de détresse, plus précisément. Yop. Oui, c'est ça. Il est armé, c'est-à-dire il y a une cartouche dedans. Il y en a une, oui. Bon, bah je le prends. Ça peut servir à stun.
Ça peut servir. Ouais, ça peut servir. Disons que ça peut servir. Je le prends. Très bien. Tu remets un peu de tout ça et tu vois que il y a un sac à dos qui gît au sol avec des bouquins qui devaient appartenir à cette personne. Je regarde le sac à dos, je regarde effectivement. Il y a beaucoup de bouquins dedans. Il y en a un qui. Disons qu'il y a des bouquins qui parlent de sujets variés, des classiques littéraires aux ouvrages consacrés à la mythologie et aux contes populaires. Mais il y en a un d'entre eux qui semble être. Corné, comme si on avait voulu marquer la page. Et il s'intitule La saga d'Éric le Rouge. C'est un pirate, ça, me semble-t-il. C'est un. Oui, c'est un nom. C'est un nom, un viking. Non, mais j'étais en train de dire, je ne sais pas si Hélène le sait. Donc. Ah. Du passé, quoi. Non, c'est pas. Avec un petit peu de notion d'histoire, on a entendu parler d'Éric le Rouge. Il a découvert le Groenland. Ah, c'est ça. Je crois. Tu lis et il y a une version en vieux scandinave qui occupe la page de gauche et sa traduction à celle de droite. Je vais vous montrer ça. Alors, faut le lire en norvégien et après on le. Bergarheimburgen et. Non, non, on va éviter. On sent qu'il a des petites bases d'allemand quand même, hein, mais. Oui, bah, clairement. Bon, il advint un matin que Karlsefni, et ses hommes remarquèrent une sorte de miroitement devant eux, une tache lumineuse dans les hauteurs au-dessus de la clairière, et se mirent à crier. La chose se déplaça, c'était un Siapode, et descendit en bondissant jusqu'à la berge où il se trouvait. Elle tira une flèche dans le ventre du fils d'Éric le Rouge, Thorvald, qui était assis près du gouvernail. Celui-ci retira le trait et déclara: « J'ai le ventre cerclé de gras. Nous avons trouvé là un beau pays fertile, mais nous n'aurons guère le temps d'en jouir. » Thorvald succomba à ses blessures un peu plus tard. Le Siapode s'enfuit vers le nord et Karlsefni et ses hommes le pourchassèrent, ne l'apercevant que par intermittence. La dernière fois qu'ils le virent, il bondissait pour atteindre un petit bras d'eau. Alors Karlsefni et ses hommes rebroussèrent chemin, l'un d'entre eux chanta ces quelques mots. Alors, si tu chantes. Ah non, je connais pas la musique. Je vous le dis sans embâche, tous les braves se sont lancés aux trousses de Nakinpied, jusqu'au rivage l'ont traqué, mais l'étrange personnage, en un éclair, s'est enfui. Fils de garce, sois maudit, demi-tour, car c'est fini. Ils en conclurent que les sommets de Hop et ceux qu'ils venaient de découvrir composaient la même chaîne, alignés les uns avec les autres et s'étendant à distance égale de part et d'autre du Stromfjord. Je ne sais pas ce qu'est le Stromfjord. Je vous ai mis l'illustration d'un siapode. Un siapode. Il n'a qu'une jambe. Le siapode. Il prend son pied en tout cas. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Siapode. Voilà. Donc. Bah, ça ne met pas en confiance ces histoires de siapode. Ah oui, c'est ça. C'est les légendes de créatures à une seule jambe. Les unijambistes.
Ces créatures ont une seule jambe, mais qui se servent de leur jambe qui est énorme et de leurs pieds pour s'abriter. Que faites-vous après cette lecture? Vous voyez Moi, hein, je... qu'il est un peu paniqué quand même, Jason. Il vient de voir un corps, il vous en a pas parlé. Il a ces gouttes qui perlent malgré le froid et il commence à rejoindre un peu plus Hélène dans. Bon, moi je vais en profiter parce que finalement, un sac à dos c'est plus pratique qu'un sac de linge. Donc je vais transvaser ce que j'ai dans mon sac de linge dans le sac à dos. Je garde le sac à dos avec ce livre-là dedans en plus. Très bien. Les autres livres, non, je les laisse. Ah, puis bon. Donc le mec il a un bras en moins, c'est ça? Une jambe en moins. Ah, une jambe. Un siapode aussi, du coup. C'est un hasard ou tout est calculé? Ah, je ne sais pas. Je mets des fausses pistes. De toute façon, moi je suis à l'extérieur, Il a un peu été en PLS. naturalisé, siapode. Exactement. Hélène? Toi, tu es tout. Jason, tu es tout seul dans cette pièce. Nous. Il vient de sortir avec le bouquin, Ah. il vous l'a lu, on va dire. D'accord. Ah oui, ok. Vous êtes tous au courant. Écoute, Jason, c'est une très belle histoire, tout ça, mais. Pourquoi ce livre? Qu'est-ce que ça fait là? Bah, je sais pas, mais visiblement, la personne qui est morte dans cette pièce. La personne qui est morte dans cette pièce. Oui, il y a un mort dans cette pièce. Posséder un sac avec plusieurs livres, mais c'est ce livre-là qui paraissait particulièrement usagé et usé. Donc je me suis dit que ça avait peut-être un sens. Il y a un cadavre dans la pièce à côté. Peut-être, on ne sait pas, on n'ira pas regarder. Où est-ce qu'on va maintenant du coup? Peut-être je coupe un peu la parole pour essayer d'éviter que Hélène replonge dans les bas-fonds Ouais, mais de son j'hésite, être. j'hésite quand même, tu vois. Non, 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 je suis là, je suis là. Commence pas avec ton Non, jet de dés là. non, ça va. Elle a déjà assez bien chargé, mais bon, ça. Elle flirte avec tout ça, quoi. Elle en est à 3 points. Ouais. Elle est On direct va où maintenant, immobile. du coup, les garçons? Qu'est-ce que vous trouvez, enfin, qu'est-ce qui est pour vous le plus pertinent? Bah, on continue jusqu'à la timonerie, comme on avait dit au départ. Il sera toujours temps d'aller dans les cales du bateau, si ça vous amuse. Moi, je ne trouve rien d'amusant dans tout ça. Oui, mais bon, disons que ça peut être intéressant. Vous voulez qu'on passe au niveau 4 avant de checker à différentes cabines, notamment celle des officiers? Peut-être qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant avant d'aller à la timonerie au niveau 5. Oui. On peut aller à la cabine du pilote, peut-être. Ou Ouais, on la peut. cabine de l'opérateur radio. Ce serait intéressant de trouver, je sais pas, un mode d'emploi, un code pour appeler des gens, pour qu'ils viennent nous aider. Très bonne idée. Allons-y. Donc vous montez au niveau 4, c'est ça? Yes. Oui. Ok. Je ferme la Alors, marche. il est moins le quart. Alors, je ne sais pas si on va démarrer direct parce que c'est possible que ça prenne peut-être plus de temps. Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir. Je pense qu'on va s'arrêter là pour pas dépasser les minuits. Parce que je sais qu'il y en a qui bossent demain, il y en a qui se lèvent. Donc, Ok. De je toute pense façon, que. t'as bien senti qu'on avait besoin de 2 séances. De toute façon, Oui, on a là, il fait quoi? reste. On a fait. Vous avez fait plus de la moitié, c'est sûr, mais il reste quand même pas mal de choses. Hein. Oui, ça se met en place hein, progressivement. On est vraiment dans du Cthulhu avec l'enquête. Voilà, il y a des choses qui arrivent. C'est de l'exploration, comme vous l'avez vu. Hein. Donc, oui, ça arrive progressivement, mais là, d'attaquer de suite, je préfère le garder parce qu'il reste quand même pas mal de choses. Il reste 2 étages. Vous n'avez pas regardé les cales non plus. Vous n'avez pas regardé tout ce qui est moteur en bas. Enfin, Puis de il y a de toute quoi faire une façon, belle séance. oui, si on fait une séance un peu plus courte la prochaine fois, c'est pas Voilà. gênant.
Ce sera un peu plus court, mais ça peut être une belle séance, ouais. Carrément. Enfin, ça dépend de... Voilà. Mais voilà, moi, je vous ai laissé pour votre RP, tout ça, c'était nickel. Hein. C'était nickel. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne première partie de soirée. Enfin, une bonne première partie de session de ce scénario, l'épave, hein, donc. Et, Oui, il n'a pas l'air d'être simple à maîtriser ses nards. Disons que ouais, le fait que ce soit de l'exploration avec des salles qui... C'est quand même très balisé. Hein. Faut pas... Oui, les salles, elles sont notées, mais il y en mais a tellement que... Ce qui est compliqué, c'est que... En tant que MJ, c'est que tu sais pas dans quel ordre on va aborder les choses. Oui, vous auriez pu très bien aller à la cale dès le début, vous auriez pu très bien... Il y a plein de choses à faire, c'est sûr que toutes les cales, toutes les... Moi j'ai noté toutes les salles, il y a tout un tas de choses que j'ai notées, d'indices qui sont à trouver, même si des fois je vais en chercher ailleurs pour les mettre, parce que voilà, pour essayer de vous avantager aussi sur deux, trois trucs. Mais ouais, au début même, la carte, il la donne vraiment beaucoup plus tard, et je trouve ça dommage, je préfère vous la donner d'entrée, parce que bon... que vous arriviez à vous situer aussi, parce que vous expliquez à chaque fois, vous avez vu au début, je vous explique à droite. Ouais, ça me perdait un peu, moi, les descriptions. Ouais, c'est pas possible. Je ne mémorisais pas. Ça va quand il n'y a pas beaucoup de pièces, mais vu le nombre de pièces, tu dois tout décrire à chaque fois, il nous faut 6 séances. Oui, c'est ça. Donc j'ai préféré vraiment vous la donner assez tôt. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Eux, ils la donnent vraiment beaucoup plus tard dans le scénario, mais je ne trouve pas ça... Voilà, là ça vous permet vraiment de... Ah mais ça m'étonnerait pas d'ailleurs que dans un bateau, il y a différents endroits, il y a un plan oui. de bateau. Oui, clairement. Clairement. Ça fait comme dans un hôtel ou dans un paquebot de loisirs. Enfin, j'ai jamais fait de croisière, mais j'imagine que c'est comme ça. Sinon, les gens passent leur temps à se perdre. Ouais. Donc ben, j'espère que ça vous aura plu. Pour Elon, Amnesia, c'était votre premier test sur le serveur. Non, Amnesia, tu avais déjà testé. Donc j'espère que vous aurez passé un bon temps en notre compagnie. Oui. Moi, j'ai passé un super moment, personnellement. Moi, je suis content d'avoir joué avec vous. J'avais jamais joué avec vous. C'était chouette. Sympa. J'espère que la joueuse et le personnage ne sont pas trop insupportables. Non, c'est trop drôle. Ça me fait rire. Non, c'est bien. Non, c'est bien. C'est bien. C'est vous, franchement, la expert, vous voyez. T'es bien RP, j'adore. Bon, tant mieux. Non, j'ai bien aimé aussi. C'était sympa. Jouer à Cthulhu aussi, ça fait plaisir. Ça change un peu des combats à foison. Donc, ouais, j'aime bien aussi les enquêtes. L'ambiance un peu horrifique qui s'installe. Je suis assez fan. À Cthulhu, c'est bien, on ne fait que prendre des coups, pour ainsi dire. Ah, mais de toute façon, t'as bien vu, moi je suis prête à sacrifier mon PJ pour la gloire du jeu. Hein. Oui. C'est très important, ça. C'est vraiment très important pour avoir vraiment des fins épiques, en fait. Bah oui. C'est pour rester dans la logique du jeu. C'est... Et oui, c'est ça, ça crée une espèce de... Oh bah oui. Le personnage meurt ou sombre dans la folie. Oui, c'est une vulnérabilité qui est intéressante à jouer. Ah, je voulais les tirer, les grappiller, ces deux points, pour qu'il y ait justement à la fin de cette première séance un choc mental qui puisse être joué RP, parce que c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans ce jeu-là. Oui, oui. C'est ce côté où tu tires au hasard, tu sais pas ce qui va t'arriver. Et là, ils l'ont bien fait sur Foundry, il y a le tableau où ils décrivent tout et... avec toutes ces manies, avec tout ça, donc je trouve ça intéressant. La clinomanie, le désir excessif de rester dans son lit. Je crois qu'on est... On est un peu tous comme ça. Tu vois, après, par exemple, si tu tires Obsession pour les clowns, c'est chaud à jouer dans l'épave. Ah ouais. Oui. Bon, peut-être tu nous laisseras un deuxième jet si ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Peut-être, oui, c'est sûr. C'est sûr, il y a... J'en ai déjà une. Besoin normal d'alcool, c'est bon. Tu l'as déjà, tu peux te la rajouter. En même temps, tu sais, l'épave, ça porte tellement bien son nom. C'est pas faux. Je vois qu'elle a peur des flics. L'épave, en fait, c'est pas le nom du Groenland tropique chez Hélène. L'épave. C'est ça. Je vois qu'elle a phobie des flûtes. Qui a peur des flûtes? Ah bah pas Hélène, hein. Les flûtes de chansons. Ah bah non. T'inquiète.
Ah, je te dis pas ce personnage. Non, mais j'ai bien aimé hein, vos persos. Comme je dis, c'est jamais évident et prétiré de se mettre dedans. Voilà, même si vous les aviez depuis un moment. Mais... Et puis de Ouais. jouer avec des gens qu'on n'a pas trop on n'a pas trop l'habitude aussi, ça peut aussi perturber. Donc, mais bon petit groupe, hein, voilà. T'as hâte de vous faire découvrir cette suite À ton avis, au rythme auquel on va pouvoir faire un deuxième épisode complet ou va falloir qu'on Ah oui. dépasse sur le troisième? Non, non, je pense qu'au deuxième sera fini. Normalement, Ok. hein, en convention, ils disent 2 heures ce scénario. Bah, écoute, moi j'ai fait le premier, Ouais. j'ai fait jouer le premier, avec pas le système de l'appel de Cthulhu avec un autre, Oui. mais ça marche aussi. Et ben honnêtement, j'ai dû, mais je me suis pris la tête pour le faire tenir en 3 h 30 parce que c'est le seul créneau que j'avais. Ouais. Tu peux largement le jouer en 6 heures. Ah oui, mais tout, Oh, moi, wow. après, Voilà, je trouve que ces scénarios de convention, oui, c'est fait pour être assez court, mais en vrai, si tu ouais, laisses mais un c'est peu tes dommage. joueurs s'amuser, C'est ça pas ça, de ouais, moi, je discussion. préfère qu'on passe nos... Bon, bah, ça fait une séance dans 15 jours, mais c'est pas grave, je vous ferai un petit résumé de ce qui s'est passé, ça va aller vite à vous résumer les situations, de reprendre... Je préfère faire comme ça, vous laisser, il y a eu du super RP, des échanges, voilà, moi j'aime beaucoup, hein, ouais, que vous découvriez déjà en tant que joueur, c'est important. Et puis vos persos qui puissent, vous l'avez très bien fait, hein, ces relations avec tout ce background qui était imposé. Donc il y avait pas mal de petites infos, donc vous avez réussi à les grappiller et à les faire ressortir. Il y a encore moyen de refaire des trucs par rapport à ce background, hein, parce que relisez bien, pensez à, je pense un peu à notre ami Jason qui vous a aidé en bourse, et du coup il y a eu des il y a eu des Merci. complications, hein. Oui, il y en a Donc qui m'en veulent. Il y en a qui. Enfin, non, c'est un peu de tout le monde, c'est pour ça que je me permets de le qui dire, m'en parce que c'est veulent un peu pas tout le monde. Je forcément, mais confirme. bon, je sais qu'effectivement, en ce qui concerne Isaac, il a plutôt fait des mauvaises affaires avec moi. Je Donc confirme. Tout ça, ça peut amener sur des moments de tension, des choses où ça éclate. Je pense que ça a été fait pour ça. Et n'hésitez pas à vous en servir. Et je trouve que vous êtes servi de pas mal de trucs déjà dedans qui a bien matché. Hein. Ce sera... Donc voilà. Moi, j'ai passé un super moment. Donc, une belle découverte de vous deux, Amnesia et Lone. Donc, Guido et Lucie, je les connais par cœur. Hein. Je n'ai pas de souci avec eux. Le nombre de parties qu'on a pu faire. Donc, bah, j'étais ravi de découvrir Bah, vos... merci pour ton investissement, parce que c'est toujours du boulot, hein, d'être de l'autre côté de l'écran, en papier. Bah, merci. Et puis ouais, j'ai hâte de clôturer cette aventure, tant bien que mal. On trouvera Oui, de toute façon on une verra façon d'y comment ça se arriver. On ne passe. sait pas comment ça se finira, mais ça se On finira. arrivera au bout, c'est sûr. Maintenant, en combien de morceaux pour certains, je ne sais Avec pas. une jambe en moins, au moins. Ouais, on verra. On verra bien. Je pense que, ouais, je pense que. Je ne dirai pas, je ne dirai rien. Parce que sinon, si je parle trop, après, Voilà. je vous On peut spoil et pas c'est fini. se grappiller des infos, c'est pas le Bah but. non, non, je sais bien. Et puis moi, j'ai tendance à en dire sans faire exprès. Alors, ça, c'est ma Ok, spécialité. bah Tellement alors on envie va de arrêter de te faire parler. arrêter de me cuisiner. Ok, bon. Et bah merci. Merci à Bonne tous. soirée, bonne nuit, et puis on se dit à Oui. dans 2 semaines. Ça marche, à dans 2 semaines. À dans Ok. 2 semaines. Dans deux Allez, semaines. salut. Des Bonne bisous. nuit. Salut, salut. Ciao, bye bye tout le Bonne monde. nuit. Bye. Salut. Thank you.